L'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, pense que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a un rôle à jouer dans la promotion des valeurs culturelles. Le directeur général de l'ISESCO l'a signifié à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Les parlements ont un rôle important dans les pays démocratiques, notamment la Côte d'Ivoire, parce que c'est les parlements qui font la loi. Donc nous voudrions collaborer avec l'Assemblée nationale dans la vulgarisation de certaines valeurs, notamment les valeurs du bon voisinage, de la solidarité, de l'éducation à la paix, l'éducation à la démocratie. Deuxième personnalité à être reçue par le président de l'Assemblée nationale, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication. Que les relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire sont des relations excellentes à tous les niveaux. Le président Ouattara a effectué récemment une visite d'État au Congo, une visite qui a été, je crois, largement fructueuse. Le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans les prochains mois, effectuera une visite en Côte d'Ivoire. Pour ma part, je suis venu saluer le président Guillaume Soro et il fallait donc de passage à Abidjan, je puisse faire ce devoir.